Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons tous les trois au cinéma avec Frédéric Pic. Bonjour Frédéric. Bonjour. Avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Sharon. Et nous sommes heureux de vous proposer des films, les bons. Est-ce que vous voulez que je commence par les bons? Commencez. Les bons et les méchants. Les bons et les méchants. Mais attention, parce qu'une femme qui commence, je trouve que c'est un peu réactionnaire, oui, ma chère oui. Anne. Mais enfin, assumons. Absolument. Alors, Les Malheurs de Sophie, je suis allée voir Les Malheurs de Sophie. Je ne les ai jamais lus quand j'étais petite fille, parce que les histoires d'une petite fille qui faisait des bêtises, ça ne me tentait pas beaucoup. Moi, vous en faisiez déjà assez par J'en faisais, c'était un sujet que je connaissais bien. Et moi, je préférais les contes et légendes, parce que le monde est quand même nettement plus beau dans les contes et légendes. Il y a des fées, des princesses. Mais moi, en tant que garçon, j'ai lu vous Les Malheurs avez de lu. Sophie. Bon. Et j'avais beaucoup aimé, c'était très, très Alors, ce film, Les Malheurs de Sophie, est assez exquis. Il est visible en famille, pas trop petit, parce qu'il y a quand même des scènes qui sont très dures. Parce que c'est les vrais malheurs de Sophie, ce n'est pas les bêtises qu'elle fait. Le vrai malheur de Sophie, c'est qu'elle est sans parents. Oui. Elle est d'abord sans père, et on ne voit jamais son père, on ne voit pas le visage de son père. Il lui donne cette très belle poupée que Sophie s'empressera de martyriser, puis d'abandonner dans un cercueil au fil de l'eau comme Moïse dans son Moïse. Son vrai drame, c'est que elle ne voit pas son père, oui. Et elle va perdre sa mère, puis son père. Donc elle sera orpheline. Voilà déjà le vrai drame. Alors, c'est un condensé de trois romans, Des Malheurs de Sophie, Du Bon Petit Diable, et d'un troisième. Petites filles modèles. Et des petites filles modèles. Le jeu de ces petits enfants, filles et garçons, est absolument exquis. La mère de Sophie joue très très bien ce rôle de femme un peu évanescente, qui ne veut pas quitter sa très belle propriété, qui ne veut pas suivre son mari en Amérique. Il y a une scène fabuleuse, il y a dans ce très beau château un tableau avec une mer déchaînée et un bateau en difficulté, et tout d'un coup une animation de ce tableau va présager du naufrage que fera le bateau que la famille de Sophie va emprunter. Donc, c'est très très joli. Il y a des scènes amusantes, ça a déplu à certaines personnes, mais il y a des scènes d'animation. Il y a des petits animaux, petit écureuil, le petit animal avec des pics, le hérisson, dont la famille, les bébés hérissons vont être tués par le garde-chasse. Ce sont des dessins animés. Alors, ça amène une petite fantaisie, et je trouve que c'est très très enfin, bien fait. C'est Mary Poppins. Ah moi, il y a une chose, moi justement, je l'ai vu. Je trouve que c'était très bien dans Mary Poppins, mais qu'il y a un moment où, voilà, on a fait le tour. Moi, je trouve que c'est quand même inférieur au roman, et que peut-être on aurait pu traiter les choses d'une façon plus sérieuse, que c'est la question, comme vous le disiez très bien, Anne, de l'abandon et de la solitude de cet enfant. Oui. Moi, je vais vous dire aussi quelque chose qui me déplaît dans ce film, c'est que je n'aime pas du tout Muriel Robin. Oui. En général. Mon mari non plus. Déjà. Il m'a prévenu. Si tu m'avais dit que Muriel Robin était là, je n'y serais pas allée. Moi, l'ayant vu aussi. Oui. Je pense la même chose. Muriel Robin, je la déteste. Je ne peux pas la voir. Elle est très bien dans un rôle de garce ou tout ce qu'on veut. Je ne peux pas la voir. C'est insupportable. Oui, elle joue Madame Ficini. Malheureusement, j'ai été très déçu par Anaïs Dumoustier parce que je trouve qu'elle n'a pas de conviction. Elle récite son texte. Comme si elle était à la Comédie française et qu'elle n'y croyait pas. Elle récite. Madame de Ferville. Oui, Anaïs Dumoustier. La mère de Sophie. Je n'ai pas du tout aimé l'histoire du petit renard, le mélange des genres, etc. Et surtout, ce que j'ai détesté par-dessus tout, c'est M. Christophe Honoré qui ne s'est pas filmé. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, la caméra tremble sans arrêt au début. Oui. On montre quelqu'un qui est là, on frappe à la porte,
boum, vous avez la caméra qui balaye comme ça, qui va sur la porte. Ça ne se fait pas au cinéma. Mais c'est, je ne sais pas, oui, qu'est-ce qu'il a dit ? Ça s'appelle balayer le... Oui, balayer, non, enfin, le film ne tient que par la petite fille et parce que l'histoire est mignonne. Mais enfin, la comtesse de Ségur, à mon avis, méritait beaucoup mieux. Ah oui, moi aussi. Et on a vu même des interprétations en manga qui s'en inspirent. Hein, pensez à la princesse Sarah ou des choses comme ça, qui étaient largement plus mignon et plus touchant. C'est à refaire. Même si ça pose la vraie question qui est celle de la famille celle chez de l'enfant, famille qu'à mon avis, l'équipe qui a joué dans le film, en particulier Muriel Robin, n'a pas forcément saisi. Hein. Oui. On ne peut pas lui demander trop à Muriel Robin. Enfin, les petits-enfants sont tout à fait... Les petits-enfants sont tout craquants, à fait, mais enfin, ils sont exceptionnels. Tous, en général, les et puis, c'est une tranche d'histoire. Ces mais familles, ça trahit un peu. Moi, ces familles aristocrates dans des châteaux à la campagne qui font les confitures, qui vivent avec les personnes de service, qui vivent avec la cuisinière. Oui, c'est la France du 19e siècle. Un peu quand elle dit « ma bonne », elle se comporte de façon quelquefois très autoritaire et mauvaise avec sa bonne. Et puis quelquefois, ma bonne, c'est ma chère bonne. Il y a des moments assez jolis et c'est un film élégant. Bon, fin des malheurs de Sophie. Second film que je suis seule à aller voir, La saison des femmes. Alors, La saison des femmes, je vous préviens tout de suite, chers téléspectateurs, c'est très dur. C'est l'histoire de cinq femmes dans un village du nord-ouest de l'Inde. Aujourd'hui, c'est filmé par une cinéaste indienne. Et c'est le sort passablement tragique de ces cinq femmes. Ce n'est pas tourné de façon tragique. C'est tourné de façon tragicomique. Mais enfin, la première scène, c'est tout de même une jeune femme que sa famille somme de retourner de vivre dans sa belle famille, alors que dans cette belle famille, elle est violée par le beau-père et les frères du beau-père. Donc, bon, au moins, il se passe quelque chose. Voilà, il y a de l'action. On voit cette pauvre jeune fille, elles sont mariées très jeunes, cette pauvre jeune femme repartir vers son malheur. Une autre est veuve à 39 ans et les veuves n'ont pas le droit de se remarier. Une autre est une femme battue tous les soirs, parce que elle n'a pas d'enfant et pour cause son mari est stérile, mais fait porter à sa femme la responsabilité. Et la cinquième est une prostituée magnifique, un rôle magnifique, elle est belle comme le jour, elle affole tous les hommes du village par ses danses, on l'appelle la terre tremble, parce qu'elle fait trembler la terre. Elle aimerait bien sortir de sa condition, elle n'y arrive pas. Alors, j'ai l'impression que c'est presque un documentaire hein, oui, sur la vie presque, des femmes. De la femme, on ne peut pas dire qu'on va défendre les traditions indiennes parce que la vie de ces femmes est vraiment un cauchemar. Moi, j'en suis sortie assez traumatisée. Ça va mieux maintenant, mais... voilà, les traditions. Il faut vous ouvrir aux différences. Oui, non, mais alors oui. Pas du tout. Mais ça sera ma conclusion. Et les traditions, quand elles sont chrétiennes, c'est très bien. Quand elles sont indiennes, ça craint, en tout cas pour les femmes. Mais ça reste aux Indes, que ça reste aux Indes. Et puis voilà. Voilà. Alors, c'est d'autres films, Frédéric. Alors, oui, rapidement, donc des films qui sont vraiment extrêmement mauvais. Encore plus mauvais que Les Visiteurs. Ah oui, non, parce que là, c'est un peu un scandale. Ah, vous je ne sais pas si vous connaissez Pierre Niney. Vous n'avez pas parlé des visiteurs, puisque non, vous n'étiez pas là. Non, parce que je n'ai pas voulu aller le voir. Vous n'avez pas voulu aller le voir, d'accord. Mais nous avons... Parce que je pense que je Vous n'avez rien raté. Moi, j'y suis allée, Frédéric, parce qu'il s'agissait de la Révolution française, et je voulais voir ce film qui a été traîné dans la boue par la presse de gauche, par les critiques de gauche. Très bien, ça veut dire donc je me suis dit, si la critique de gauche ne l'aime pas, c'est qu'il y a quelque chose c'est de bien. C'est qu'il a pointé un petit peu et ça n'a pas les raté. Délires de la Révolution, voilà. Et les on horreurs. Voit, on voit là, la machine à découper les têtes marcher, d'accord. On voit des vieillards emmenés à la machine. Si vous me permettez une parenthèse, ma chère Anne, sachez que la chapelle expiatoire mène des conférences du cycle, et notamment une conférence qui sera consacrée à Robespierre,
à la chapelle expiatoire, c'est toujours de bon ton, qui s'appelle Robespierre, la fabrique d'un monstre, puisque évidemment Robespierre n'était pas un monstre, mais que c'est la vox populi qui a construit un monstre a posteriori. Ah, et ça. Je trouve qu'un sujet pareil à la chapelle expiatoire est absolument savoureux. Non. Oui, légèrement, je suis ironique, hein, mais absolument savoureux. Je ne comprends même pas qu'on puisse imaginer une chose pareille. C'est sacrilège. Et mais vous, c'est fait exprès, cher Maxime. Et vous vous souvenez de ce que disait Danton, paraît-il, apocryphe, ouais, quand il est arrivé à la guillotine. Non, je ne sais pas si on montre là-dedans Danton qui était complètement vénal. Et non, on le voit passer, on le voit passer. Et quand il était à la guillotine, il a dit « Alors dites bien que je lègue mes jambes à Couthon et mes couilles à Robespierre. » Parce que Robespierre était quelqu'un dont on n'a jamais su s'il avait une femme, s'il avait quelqu'un dans la vie. Et Couthon était sur sa chaise puisqu'il était paralytique. Beaucoup d'humour. Oui. Beaucoup d'humour. Il manquait devant pas d'humour, la mort. Et c'était pas... Bon, donc bref, la beaucoup révolution d'humour était... devant la mort. Alors, les mauvais films. Pour revenir sur Pierre Ninet, qui est quand même un acteur de la Comédie française, qui a quitté la Comédie française pour faire du cinéma. Oui. Alors, il a fait le film, un des deux films de Yves Saint-Laurent, dans lequel il était très bien. Oui. Et là, il joue dans Five, qui est une espèce de petite comédie de jeunes colocataires. C'est absolument immonde. Parce que c'est grossier, c'est scatologique, c'est pire que ce qu'on peut voir dans les films américains à ce niveau-là. Mmh. Il y a la personne qui défèque devant le palier. Tout ça, c'est agréable. Non, mais et les paroles, je n'ose même pas les dire ici. Non. C'est absolument lamentable. Ça s'appelle Five, alors à ne pas se faire piéger avec ce film-là. Quoi d'autre pas très bon aussi? Ben écoutez, il y a Mekong Memories, dont on a dit pas mal de bien, l'histoire d'un jeune Vietnamien. C'est un film français, mais enfin, parce qu'on l'a financé. En fait, ça se passe au Vietnam, le long du Mekong. Aucune vue intéressante du Mekong. Il est là sur les immeubles flottants, les petites barques où ils habitent. Il apprend un peu la photographie, il voit un copain, et puis ils vont faire de la photographie en se baladant. On s'ennuie du début jusqu'à la fin, il n'y a rien. On a l'impression qu'il n'y a rien dans ce film. Pas d'histoire. Oui. Voilà, très peu d'histoire. Bon, c'est déjà pas mal comme mauvais film. qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, Holmes, c'est un film qui va sortir le 1er juin. On pouvait s'attendre à quelque chose d'intéressant, c'est sur Sherlock Holmes. Et ce serait la dernière énigme que trouve Sherlock Holmes alors qu'il est vieux. Bon, il est à la retraite. Alors en fait, ça démarre bien parce qu'on a un plan magnifique avec un train à vapeur sur la campagne anglaise, les petits villages anglais, etc. Donc la photo est assez belle. Et c'est pareil, il n'y a pas grand-chose, on s'ennuie. Et ils ont pris surtout un acteur qui a 93 ans, Ian McKellen, qui paraît-il un acteur shakespearien, c'est un mec à 93 ans. Alors des gros plans, excusez-moi, 93 ans, c'est pas terrible quand même au cinéma. Et puis, l'histoire avec un petit enfant, il nous parle des abeilles, des machins. Et alors, effectivement, il écrit de temps en temps cette histoire-là, qui est une histoire dans le passé avec des flashbacks. Bon. Ça dure une heure et demie, et on s'ennuie, on s'attendait à quelque chose de bien, et on est très déçus, donc c'est pas la peine d'aller le voir. Pour Sherlock Holmes, il faut mieux regarder la série Sherlock, qui est une série de la BBC, avec Benedict Cumberbatch, qui est excellente. Il y a 3 épisodes par saison, la saison 4 va sortir cet été, 3 épisodes d'une heure et demie. C'est projeté aujourd'hui, mais avec des vraies enquêtes inspirées des histoires de Conan Doyle, et c'est, pour le coup, vraiment excellent. Mais c'est évidemment la BBC, hein. On ne se serait pas attendu à une telle chose dans la télévision française. Merci. Moi, j'aimerais faire deux bons films. Alors, Fritz Bauer, un héros allemand. Ah oui. Alors ça, c'est un film intéressant, parce que c'est l'histoire véridique de ce juif socialiste qui avait fui le nazisme dans les années 30 et qui, après la chute du nazisme, est revenu et s'est retrouvé procureur en 1957. Et il avait comme idée... Il dit que ce n'est pas pour se venger, mais enfin, on peut comprendre quand même qu'il avait envie de se venger de ce qu'ont fait les nazis sur les juifs en tant que juif. Mais surtout, il avait dit « je veux absolument pourchasser les nazis qui sont encore là, ceux qui ont fait un certain nombre de choses, pour que la jeunesse sache et pour qu'on montre son passé. Voilà, il faut montrer son passé, il ne faut pas le cacher. » Et il apprend, et ça c'est une histoire vraiment véridique, il apprend que Eichmann doit se balader en Amérique du Sud. Donc il fait des enquêtes, etc. Mais il se rend compte qu'à chaque fois il est barré par des gens qui sont dans la justice, parce qu'effectivement, tout le monde, peu ou prou, a suivi le régime nazi, ils étaient en place. Donc, Adenauer avait dit, il faut étouffer le passé, donc il voulait à un moment arrêter cette chasse aux sorcières qu'avaient fait les Américains vraiment à fond. Et il se trouve un petit peu barré et gêné par des gens qui sont en place, qui étaient d'anciens
nazis, pas automatiquement des criminels de guerre, d'anciens nazis, qui l'empêchent. Donc il va jusqu'au bout, puis quand il voit qu'il est coincé, il s'adresse au Mossad. Il s'adresse au Mossad, ce qui est une trahison. Et il joue en disant je vais quand même risquer la trahison. Il va à Tel Aviv, il va voir le Mossad, et il leur dit voilà, maintenant j'ai la preuve, je suis absolument sûr, par mes renseignements, etc., qu'il est en Amérique du Sud, à tel endroit. Il dit au Mossad, donc moi je ne peux rien faire, enlevez-le et livrez-nous à la justice parce que je voudrais que les Allemands fassent. Et ça s'est passé, le Mossad l'a enlevé, mais ils l'ont gardé pour eux et ils l'ont fait juger à Tel Aviv. C'est remarquablement joué par un acteur allemand qui s'appelle Burghard Klausnet, que nous ne connaissons pas ici, qui joue remarquablement bien. Et c'est vraiment un film passionnant de bout en bout. Oui, qui est tout à fait dans du même ordre que ce film avec le procureur allemand qui était sorti l'année dernière, dont j'ai complètement oublié le nom, mais vous vous souvenez, qui était un très bon film, qui abordait justement cette question du type dont la famille aussi était nazie, et en même temps, donc comment réussir à s'extraire de ses racines, à retrouver la vérité, quand finalement tout un pays a baigné dans quelque bien chose. Sûr. C'est plus facile d'avoir 100 coupables que de dire qu'on est tous un peu. Là, c'est comme une enquête, si vous voulez. C'est bien fait. On s'intéresse du début jusqu'à la fin. C'est bien joué. C'est tout, tout un pays n'a pas baigné. Non. Enfin, disons que faut rester de gens, façon. Oui, beaucoup de gens. Ça ne se limite pas à 100 personnes. Ne pas entraîner l'Allemagne tout entière dans la bien culpabilité. C'est de ça qu'elle crève aujourd'hui. Donc, il faut faire très attention. Alors, moi, j'ai un film qui est extrêmement mauvais, mais néanmoins intéressant pour ce qu'il révèle du cinéma, qui s'appelle High Rise. Alors, High Rise, en fait, c'est l'histoire d'une tour. On vit dans une tour. La bande-annonce, on voyait que les choses chauffaient un peu. Je me suis dit, ça va être un film d'action assez sympathique, pas formidable, mais sympathique. Et vous vous précipitez. Du tout. Alors, ça se passe dans les années 60. Tout on a un petit peu jeune médecin. Dans les films. Un jeune médecin. Et qui arrive dans une tour gigantesque, et cette tour est structurée comme une société en miniature, et vous avez dans les bas étages les gens pauvres, et plus vous montez, plus vous avez de gens riches. Bien sûr. Et le maître de cet univers est au dernier étage, c'est l'architecte de l'ensemble. Il a même un jardin avec un cheval sur le toit de la tour, c'est quand même assez rare. Et on est donc dans cette zone, ça se passe dans les années 60-70 avec les vieilles voitures, les costumes d'époque, etc. Et il y a un projet donc d'autres tours autour d'une sorte de lac. Juste américain le film. Bien sûr, américain. Et bon, on se dit voilà, ça sent la satire sociale, un peu bien pensante, etc. Que nenni. On part dans une espèce de délire puisque on voit donc ces riches qui abusent, qui font des soirées costumées, qui prennent les premières places, une sorte de ségrégation d'une certaine manière. Et puis tout à coup, pour une sorte de panne électrique ou quelque chose, ça devient un peu la révolution. Tout le monde se met à s'entretuer sur fond de révolte sociale. On enlève les femmes, on les traîne par les pieds, on les viole, tout ce que vous pouvez imaginer. Bref, ça devient absolument n'importe quoi, ça se termine en bain de sang et en orgie absolue. C'est interdit aux moins de 12 ans, donc ce qui veut dire qu'un enfant de 13 ans peut aller voir ce film bouleversant où on traîne des femmes par les pieds dans un immeuble en ruine pour les violer toute une nuit pendant qu'elles crient sans que les voisins n'y trouvent à redire avant de leur mettre une balle dans la tête. C'est donc un film absolument charmant à voir en famille, puisque au-delà de 12 ans, c'est possible. Donc évidemment, je plaisante, c'est n'importe quoi. D'accord. C'est une abomination. Bon. Et ça passe totalement à côté du sujet, mais je pense que c'est un film qui est très structuré et peut-être qui se veut même intelligent, voire qui veut dénoncer. La barbarie du temps, peut-être, oui. Peut-être la barbarie du temps, mais je ne sais pas ce qui est dans la tête du réalisateur. La barbarie mais du temps, oui. Mais c'est ahurissant. Ouais. Bon, et vous avez un deuxième film à nous déconseiller? Parce que vous en voulez encore? Oui. Oui, oui, parce que... Pas été jusqu'à. Nous sommes là pour ça, sommes là pour éviter aux téléspectateurs de dépenser des sous inutilement. Surtout que maintenant, vous avez des salles qui sont assez chères. Vous avez vu qu'il y a le nouveau Gaumont à Convention, où vous êtes obligé de passer au milieu des sucreries, évidemment, pour aller acheter votre place. Maintenant, c'est 14 euros. 14 euros, oui, non, c'est de plus en plus cher. Donc, il faut faire très attention. Il faut aller au cinéma avec deux copains, parcimonie et bon escient. Et la bande de je file au cinéma. Et notre bande de... Voilà, on file au cinéma tous ensemble. Donc, ces jours-ci, on peut échapper au cinéma et se concentrer sur d'autres activités. Alors, moi, j'ai deux pièces de théâtre, trois pièces de théâtre très jolies. Les Cavaliers de Kessel, au Théâtre La Bruyère, c'est
une mise en scène du roman Kessel fabuleux avec l'extraordinaire épopée d'un jeune homme qui va sur un cheval somptueux concourir pour un bouche-cachis, cette grande course afghane, et qui va être blessé et qui revient chez lui, et c'est sa métamorphose magnifique, notamment la mise en scène d'un cheval, de deux chevaux sur la scène. Wow. Sans qu'il y ait de chevaux, je ne dis rien, mais c'est quand même un très bon moment. Jusqu'à quand? Encore un mois. C'est un grand succès, donc il n'y a pas de fin prévue. Je l'appelais Monsieur Cocteau, qui est une pièce qui est jouée au studio Héberto par Madame Bérangère de Voutin. Mais il y aura une séquence de Perles de culture qui lui sera consacrée prochainement. C'est une mise en scène de la vie des dernières années de Cocteau. Et une pièce de théâtre de Maxime Daboville qui s'appelle La leçon d'histoire. Au théâtre de poche à Montparnasse. Qui est très bonne. Maxime Daboville est vraiment un très très bon acteur. Et ça se joue, je crois, qu'une fois par semaine. Ça se joue qu'une fois par semaine. Le samedi à 16h ou quelque chose absolument, comme ça. Absolument. Et c'est assez plein. Donc, il faut donc se dépêcher. Résumons Les malheurs de Sophie, je persiste. La saison des femmes pour les esprits solides. Et les dépressifs chroniques. Et puis, Frédéric Fritz-Bauer, un héros allemand. Voilà. Et puis, éventuellement, juste un petit dernier qui s'appelle Les Ardennes, qui est un film de Robin Pront, totalement inconnu en France. Ce sont des Flamands. C'est l'histoire d'un garçon qui sort de tôle et est très lié avec son frère. Et pendant qu'il était en tôle, naturellement, son frère a couché avec sa maîtresse. Ils se sont tombés amoureux. Elle est enceinte. Dont le drame va arriver, c'est très violent, c'est très noir, mais c'est remarquablement fait. Alors voilà quelqu'un qui sait manier une caméra autrement que monsieur Christophe Honoré. Et effectivement, les lumières sont remarquablement faites, les plans sont beaux, et c'est une atmosphère. Voilà, ça, ce sont les films qui créent une atmosphère qui correspond au sujet du film. Merci beaucoup Frédéric Pic, merci Maxime, Gabriel. Certaines de ces chroniques, vous pouvez les retrouver, chers téléspectateurs, sur annebrassier.fr. Merci et à très bientôt pour une autre chronique de Perles de culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique, je lis, donc je suis, nous recevons Jean Descartes. Bonjour Jean. Bonjour Anne. Qui vient avec un très beau livre. C'est la réédition des romans, de quatre grands romans de son père. Ça s'appelle d'ailleurs « Les grands romans » dans une belle collection chez Flammarion. Et c'est le tome 1, donc il y aura probablement un tome 2, sûrement même. Et c'est une grande joie parce que je peux vous dire que j'ai lu beaucoup de romans dans ma vie et je peux vous dire que les romans de Guy Descartes, c'est tout de même un grand bonheur. On est plongé dedans et on n'en ressort pas. Alors, Jean, votre actualité à vous, c'est Nicolas II et Alexandra de Russie, une tragédie impériale. C'est publié chez Perrin et nous en parlerons dans une autre émission. Cet hommage à votre père, cette réédition des œuvres de votre père, je crois que c'est vous, avec votre préface, c'est vous qui l'avez voulu, c'est vous qui l'avez initié. C'est un joli devoir de mémoire. Oui, disons que Guy Descartes, mon cher papa, s'est éteint dans mes bras il y a 22 ans. Oui. En écrivant, il est mort au combat, écrivant. Oui. C'est très intéressant. Il est mort très âgé. 83 ans, oui. Il est mort avant d'être vieux. Oui. Il est resté jeune, c'est-à-dire qu'il est resté curieux, révolté, indigné, enthousiaste, impossible, adorable, enfin, c'était formidable. Mais surtout, il m'a dit, quand tu écris, quand tu parles, tu penses aux autres, uniquement aux autres, transmets. Oui.
Donc il m'a transmis une transmission. Et c'est ce que j'ai souhaité avec quand Flammarion, après, on va dire, une vingtaine d'années de silence, voire d'indifférence et d'oubli, me dit, mais dans le fond, on a les grands romans de votre père. Moi, j'ai les droits des éditions en format de poche. Et quand on m'a demandé de préfacer pour expliquer qui était Guy Descartes, ça, c'est une très grande émotion de parler d'un géant. Quand on fait, si je puis dire, le même métier que lui, pas avec la même dimension, mais c'est fascinant. Et toute une génération de gens ne connaît pas Guy Descartes, mais toute une génération de gens me disent aussi, mais il a tout vu arriver. Et c'est le côté visionnaire de ce romancier populaire qui est, je crois, parmi les plus fascinants. Oui, puisque ce roman n'est pas dans ce premier volume de Flammarion, mais il a écrit un livre qui s'appelle La mère porteuse. Alors, là, c'est une histoire étonnante. J'ai été témoin, c'était il y a 33 ans. Ouais. Je passe à la maison, papa tient un bout de papier, un écho, un petit fait divers. Glanée dans France Soir, il a donné, regardé les petites histoires qui servaient de point de départ à ses grands romans. Et une histoire de substitution d'enfants, de fausse mère, je lis ça à toute vitesse, je ne comprends rien. Il me dit, ça c'est quelque chose qui va diviser l'opinion, il y aura des problèmes moraux, judiciaires, médicaux, ça va être terrible. Il me dit, j'ai trouvé le titre et devant moi il écrit « La mère porteuse ». Là je peux être témoin, il y a 33 ans, il a lancé la formule pour un livre formidable parce que, je précise tout de suite, l'intérêt de Guy Descartes, c'est un romancier, c'est-à-dire qu'il raconte une histoire, ce n'est pas un moraliste, il ne juge pas. Il raconte une histoire avec des conséquences possibles et laisse au lecteur le soin de faire son jugement. Et c'est ce qui s'est passé pour La mère porteuse, où il étudie l'une des conséquences de cette situation. Et ça a été adapté à la télévision l'année dernière, sous un titre bien que j'ai approuvé, Une mère en trop, qui faisait un peu moins documentaire médical ou gynécologique. Beaucoup de succès avec une petite fille de Jean Anouilh dans la distribution. Et qui a eu 3,5 millions de téléspectateurs et qui était très prenant sur un sujet ô combien délicat. Oui. Alors vous dites qu'il ne juge pas, il n'y a en effet pas de... Ce n'est pas un distributeur de bons et de mauvais points. Mais ce que je trouve étonnant dans ces quatre romans, c'est qu'il y a, j'ai envie de dire, trois personnages positifs et le quatrième qui a quand même des problèmes existentiels. Mais c'est à chaque fois une métamorphose. Dans les trois premiers, c'est une métamorphose extraordinaire. Une métamorphose, tout de même, il faut bien le dire, vers le bien et le beau et le juste. C'est assez étonnant. Oui, le grand malentendu dispensé par la critique jalouse et coincée germano-pratine pendant des années contre Guy Descartes, c'était de considérer que c'était des romans à l'eau de rose. Non, c'est le contraire. Pas du tout. Car ce qu'il peignait, c'était... La réalité dure. Et des vices, des défauts, des travers. Mmh. Et si... On prend des titres féminins comme la tricheuse, la corruptrice, l'entremetteuse, etc. Ce ne sont pas forcément des qualités, mais il y a un cheminement, effectivement, à l'intérieur, vers une sorte de rédemption, on va dire, même si on peut dire parfois laïque, assez étonnante, qui avait d'ailleurs fasciné Pierre Benoît, car au premier grand roman de papa, avant les années 50, l'impur, Pierre Benoît lui a écrit, lui qui était un maître de l'exotisme romanesque, « Monsieur, vous m'avez eu, j'ai été jusqu'au bout. » Et c'est assez extraordinaire. Oui, bon, pour savoir ce qui va se passer. Ah oui, c'est terriblement prenant. Et c'est très prenant, et effectivement, quand on commence un roman de Guy Descartes, qui est à la fois daté et éternel, et visionnaire, ça qui est assez fascinant, ce que Flammarion admet aujourd'hui, et ce qui explique ses centaines de millions de lecteurs. Oui, parce que c'est un écrivain comblé. Pays, ça suffit pour avoir toute la critique contre soi. Je précise que, franchement, dans la République des Lettres, quand on a trop de succès, trop de monde, trop de lecteurs, on a tort, on a tout faux. C'est suspect. Voilà. Et ça, c'est quand même pénible. Mais c'est intéressant parce qu'il a vu arriver, Guy Descartes, beaucoup de métamorphose de notre société, beaucoup de problèmes qui ne se posaient pas et qui allaient se poser. Par exemple, si on prend la corruptrice,
qui est une infirmière diabolique. Une infirmière diabolique, oui. C'est l'histoire de la découverte du cancer dans les années 50, mais aussi de la façon dont certaines personnes vont essayer de se soigner elles-mêmes grâce à des journaux qui permettaient de savoir tout ce que les médecins ne savaient pas. Et si on va jusqu'à aujourd'hui avec les gens qui veulent se soigner sur Internet, on aboutit aux aberrations que l'on connaît. Et la psychose du cancer. Et la psychose du cancer. Bon, avec la brute, on a le problème, on parle toujours de l'autisme, et bien là, il est parti d'un cas réel, d'un... Un garçon, sourd-muet, aveugle de naissance, qui est accusé d'un crime, alors papa l'a situé sur un paquebot transatlantique, mais ça se passait ailleurs, qui n'arrive pas à se défendre malgré les interprètes. Et qui ne veut pas se défendre. Et pourquoi ne veut-il pas se défendre? Nous ne le dirons pas. Bon. Et il y a la révoltée, qui est un drame de l'adoption, on ne dira pas la clé non plus, qui s'est passé réellement devant les assises de Nancy. Pourquoi une personne adoptée par quelqu'un a-t-elle tué cette personne? Et il pose, Guy Descartes, tous les problèmes juridiques, moraux, sociaux que l'adoption, sans juger, peut poser. Voilà. Donc il examine, et quand il a raconté l'histoire d'une entremetteuse qui n'était pas Madame Claude, qui n'était pas Madame Billy, mais qui était un peu tout le monde, à une époque où les maisons closes étaient ouvertes, si j'ose dire, pour, dans cette expression idiote. Merci. Oui, parce que quand on a fermé les maisons closes, comme... antinomie, ça se posait là. Eh bien, il raconte exactement... Et on a mis les filles dehors. Voilà, et il raconte exactement... En plein air. Le cheminement. Oh, il y a un mot très joli, d'ailleurs, que papa aimait beaucoup, parce que c'était un habitué des maisons closes, l'auteur Yves Mirande, l'auteur des Vignes du Seigneur, du Chasseur de chez Maxime, bien oublié aujourd'hui, qui avait fait banquet de la fermeture et qui écrit à la taulière, comme on dirait élégamment, du 122 rue de Provence. Madame Fabienne, je suis passé devant notre maison hier, tous ces volets ouverts, quelle tristesse. C'est très joli. Votre père a un grand amour pour les femmes. Oui, il s'est beaucoup documenté à ce sujet. Il s'est beaucoup documenté. La documentation, on va y venir aussi, mais on se sent... Mais on se sent aimé, la lectrice se sent aimée. Oui, il écrivait pour les femmes. On a l'impression qu'il comprend absolument tout ce qu'il peut y avoir dans tous les recoins de notre petite tête. Oui, c'était extraordinaire. Il adorait discuter, écouter les femmes, lui qui parlait tout le temps. Il aimait savoir ce que faisaient les gens. Il disait, moi je ne sais faire qu'une chose, écrire, raconter, parler. J'aime qu'on me parle ou qu'on fasse des choses que je ne sais pas faire. C'est comme ça qu'il a demandé à un vendeur ambulant qui sculptait des têtes d'hommes politiques dans des pommes de terre de lui en faire. Il lui a dit, moi je ne saurais jamais faire ça. Il adorait les femmes, il adorait la femme. Oui. Avec un grand F qui le lui rendait bien. Je peux dire qu'au décès de Guy Descartes, en décembre 1993, j'ai reçu 6500 lettres de femmes, au point que la poste de mon quartier m'a téléphoné pour me dire « Écoutez, monsieur, il y a des sacs entiers, c'est pas possible que ça continue comme ça. » Et toutes s'identifiaient à un personnage. Alors, ça allait de, si vous voulez, la dame qui, de Mézières-Charleville à Biarritz, disait « La corruptrice, c'est moi, il y en avait 500. » L'entremetteuse, c'est moi. L'impure, c'est moi, etc. » Et je trouve que c'était fascinant parce qu'il y avait toutes les catégories sociales et tous les horizons sociaux et géographiques. Alors, évoquons l'impure. L'impure apporte ce nom parce qu'elle est atteinte de la lèpre. Oui. Et que c'est le grand drame de ces pauvres malades qui sont exclus immédiatement de la société et qui ne se promène plus avec une cloche. Absolument, mais oui. Il y avait une astuce, si je puis dire, dans ce titre, parce que l'impur, on pense à quelqu'un qui, spirituellement, ou qui a été souillé ou violé, etc. Alors il s'agit en fait au départ d'une histoire vraie, une jeune fille du monde, comme on disait, dans les années 30-35,
qui n'était pas mannequin parce que ça n'existait pas, mais qui présentait des collections chez les dames de la même société, était très jolie, avait une vie un petit peu agitée, et est un jour griffée par un chat siamois et contracte la lèpre. Qui vient d'Extrême-Orient. Qui vient d'Extrême-Orient, donc elle va repartir vers une rédemption dans un archipel du Pacifique Sud, les Fidji, où sa vie devient absolument édifiante. Alors, sans tirer de leçons, papa raconte cette évolution, effectivement, à une époque où la lèpre n'était soignée que par le choumogra, une racine, enfin, une plante, et on sait que, bah, dans le fond, ça reste, si je puis dire, valable, puisque la lèpre est toujours un fléau dans le monde, même si elle a reculé. Alors, ce qui est étonnant, c'est que de cette histoire donc vraie, lui, il a fait l'histoire d'une femme ambitieuse qui a connu la pauvreté et qui veut s'en sortir avec l'acharnement des gens qui veulent laisser le malheur derrière eux et la pauvreté. Et elle veut arriver, elle veut avoir de l'argent, elle veut vivre sur un grand pied, elle veut un grand appartement, et elle va y arriver. Oui, elle va y arriver. Elle va y arriver, et puis ce drame qui lui tombe sur la tête. Ce qui est très intéressant, c'est que ce titre, L'impur, a fasciné de nombreux éditeurs et lecteurs européens. Il était très difficile à traduire. Par exemple, un grand éditeur new-yorkais a dit L'impur, c'est très difficile. Si on met The Unclean, c'est la femme sale qui ne se lave pas, ça ne va pas. On ne va pas comprendre. Alors, on l'a appelé par son prénom Chantal, qui plaisait beaucoup. Et il y a eu beaucoup de femmes qui ont adopté ce prénom après, Chantal. Et la notion d'impureté, n'est-ce pas, qui n'est pas du tout celle que l'on pense, c'était un des pièges de Guy Descartes. Son roman La Brute, le sourmet aveugle de naissance, bon, c'est un homme et une femme, pourquoi est-il une brute? Est-il vraiment une brute? Il y avait toujours une énigme. Oui. Voilà. On a toujours l'impression qu'il va voir derrière le masque. C'est ça. Et même dans les livres qui n'avaient pas un titre féminin, et pour moi un de ses plus grands livres et prémonitoires qui s'appelle Le Grand Monde, ça n'est pas, comme l'a dit un journaliste de la télévision française à l'époque qui évidemment ne disait pas les livres dont il parlait, un portrait de la société parisienne. Non, c'était le nom d'un des plus grands lupanars et casinos, cabarets des faubourgs de Saïgon, à Cholon, du temps de l'Indochine française. Mmh. Et ça existe encore, ça a un peu changé. Mais voilà. Et donc il avait un sens. Guy Descartes est un homme qui avait beaucoup voyagé dans sa jeunesse. Sa mère, ma grand-mère, était chilienne. Il avait été en Amérique du Sud, il avait été en Afrique, etc. Il avait voyagé et ensuite le monde a voyagé dans son bureau. Il y a un côté Jules Verne. C'est fascinant parce que moi je voyais passer à la maison, j'ai vu passer toute l'Asie pendant 3 ans à la maison. Et des gens qui reconnaissaient leur Asie. Et des gens qui reconnaissaient et qui me disaient après, mais en fait c'est incroyable. Alors que Guy Descartes n'avait jamais mis les pieds en Extrême-Orient. Voilà, ça c'était fascinant. Dernière question, Jean Descartes. Dans deux des romans, il y a des scènes de palais de justice extraordinaires et un personnage, Maître Delio, obscur avocat qui va défendre les deux personnages, et on va voir le cheminement des plaidoiries de ces avocats, de cet avocat qui s'acharne, puisque c'est le même dans les deux romans, qui s'acharne avec infiniment d'intelligence, d'intuition, de finesse psychologique. Il aimait les prétoires. Oui, et je peux dire que moi, quand j'étais étudiant en droit à Paris, j'ai compris la fascination de papa. Il avait une avocate qui était une femme remarquable, qui lui avait montré un jour un de ses avocats, un peu comme Rému dans Les Inconnus dans la maison, avocat plus ou moins sans cause. Il lui dit, regardez, ça c'est un personnage extraordinaire. C'est un vieux routier de la correctionnelle qui rêve d'un procès d'assises. Et l'histoire que va inventer papa, c'est Maître Delio, c'est qu'un jour, dans un procès absolument impossible, défendre ce personnage, bon, ça sera La Brute, et ce sera dans un deuxième livre, La Révoltée, tout le monde s'étant récusé,
ce vieux routier de la correctionnelle qui fait les chiens écrasés, monte au créneau, a une intelligence fantastique, refait toute l'enquête. Et là, en plus, le personnage sur le plan humain et physiquement est fasciné papa. C'était un peu un personnage, si vous voulez, entre Rému et Michel Simon, un peu vieux, un peu déglingué, mais fabuleux enquêteur, quoi, qui alors, refait tout. C'est incroyable parce que c'est une enquête psychologique, mais on a l'impression aussi que c'est une enquête judiciaire. Ah oui. Alors, il fait le travail de la police. Voilà, en fait. Alors Guy Descartes était resté journaliste, hein, il avait débuté avec Simenon, avec Kessel, ils avaient d'ailleurs été mis à la porte le même jour, ce qui était très bon signe, et il était resté son enquêteur. Il travaillait des mois lui-même pour apprendre le métier dont il allait parler. Ça, je l'ai vu quand il est allé se renseigner sur les sourds-muets aveugles de naissance chez les frères des écoles chrétiennes en Touraine. Il a passé 3 mois à étudier l'alphabet dactylologique, à voir les éducateurs, à voir ce que la difficulté des élèves. Et donc, ce livre est un hommage d'ailleurs à ces éducateurs. À ces éducateurs absolument remarquables, qui ont brisé l'isolement du personnage. Non, Guy Descartes est un peintre social, je dirais, j'ose le dire, c'est une sorte de Balzac de la seconde moitié du XXe siècle. Mais infiniment plus heureux. Infiniment plus heureux et qui, démoli par la critique, ignoré par les jurés, bien qu'il ait eu un prix de l'Académie française, mais adoré par des millions de gens, j'en suis le témoin, quand certains confrères, consoeurs, et je ne dirais pas qui, disaient « Mais moi j'écris pour les fous et les génies », papa répondait « Et moi, madame, j'écris pour tous les autres ». En tout cas, moi, je peux vous dire que quand le plafond est bas et qu'il pleut dehors et qu'il y fait très froid et que vous êtes tout seul dans une maison, lire un roman de Guy Descartes, c'est l'échappée la plus extraordinaire qu'on puisse nous proposer. Et il adorait pratiquer, il disait, j'essaye d'apporter aux gens, dans un plaisir silencieux, l'évasion. Oui. L'évasion. Oui, c'est des évasions. Enfin, la lecture, très modestement, c'est ça d'abord. Bien sûr. C'est ça en premier. C'est ce que ça doit être. Et encore une fois, tous ces romans, ces 4 romans, donc La Pure, La Brute, La Révoltée, La Corruptrice, chers amis de TV Liberté, vous donneront un grand bonheur. Merci beaucoup Jean Descartes et à très vite pour une autre émission sur Nicolas et Alexandra de Russie. Merci Anne. Merci. Au revoir chers amis de TV Liberté, à très vite pour une autre émission. Bonjour, pour cette rubrique « L'art en beauté », nous allons aller au spectacle admirer une grande actrice, Madame Bérangère Dautin. Bonjour Madame. Bonjour. Nous vous allons entendre évoquer votre dernier spectacle, le spectacle de votre compagnie, Titan Bérangère Dautin. Je l'appelais Monsieur Cocteau. Mais préalablement, peut-être, nous allons évoquer cette première partie de votre carrière, très vite à la Comédie-Française, pendant des années, puisque vous avez... 33 ans. 33 ans. 33 ans. C'était vraiment une... On n'est pas tellement à faire, à faire autant de temps, mais je veux dire, c'est un tel amour, ce serait à refaire, je le referais, parce qu'on a le... Si vous voulez, c'est un peu comme une religion. On sait qu'on descend, quand vous êtes sociétaire, pensionnaire, vous aspirez à devenir sociétaire pour faire partie de la grande chaîne qui vient de Molière. Oui. 450e sociétaire, ça veut dire qu'il n'y en a eu que, j'en avais que, j'étais là quand, vous vous rendez compte, depuis Molière, seulement 450. Oui. C'est l'élite. Ah oui, et après, quand on ne peut pas être sociétaire, on ne peut pas bloquer les parts de la société. Mmh. 33 ans, c'est déjà magnifique. Après nos parts, nous passons nos parts à ceux qui vont continuer après nous, qui vont faire partie de la grande chaîne qui vient de Molière, notre patron. Nous l'appelons toujours le patron. Alors, vous avez joué
tout Corneille, tout Racine, tout Molière, excusez du peu. Oui. Moi, j'ai des souvenirs extraordinaires de Polyeucte. Pauline. Une exception, Pauline, c'est dans le répertoire classique, la seule femme qui soit autorisée à avoir deux amours transgressifs. Deux amours, non pas charnels, mais quand même, elle aime deux hommes. C'est très rare dans la tragédie classique. Je n'avais jamais abordé la tragédie classique sous cet angle-là. Mais... J'y ai pensé, voilà. Ensuite, oui. Et puis, Esther de Racine. Oui, j'ai adoré jouer Arsinoé. Oui. Aussi, qui est un rôle que j'avais été magnifiquement dirigé par Pierre Dux, parce que j'ai toujours précédé les choses. Et Pierre Dux, quand il est devenu administrateur, m'avait dit « Je vous veux pour Arsinoé », parce qu'il avait une idée. C'est comme pour Béline, jeune. Oui. Les Arsinoé étaient toujours des dames un peu comme ça. Et il voulait une femme à peine plus âgée que l'autre. Oui. À l'époque, c'était très grave d'avoir quelques années de plus, mais amoureuse. Oui. Et il en a fait Et ce rôle a eu, sous cette direction-là, une répercussion formidable, parce qu'elle aimait, à la fin, elle était en pleurs quand il la refusait. Et elle était en pleurs. Et il a fait la même chose avec Béline, c'était la première Béline jeune. Oui. Sous des aspects extrêmement classiques, Pierre Dux était un novateur, en fait. Absolument. Mmh. Oui, et même sous sa direction, nous avons instauré les auteurs nouveaux. C'est grâce à lui. C'est lui qui a introduit. Les auteurs nouveaux. Oui. Et j'ai créé grâce à nous. Il était très courageux parce que ce n'était pas ses idées. Mais il a dit, c'est pas mes idées, mais c'est le sens de l'histoire. Ouais. Et quand même, moi j'ai créé avec Jean-Paul Roussillon cette pièce épouvantable sur Rix. Rix. De qui? C'était de Grimbert, Jean-Claude Grimbert. C'était une pièce atroce. Oui. Et quand on le jouait, c'était avec danger. Oui. Parce que c'était l'histoire d'un type qui rentre de chez lui, excédé, tout ça. Et en fait, sa femme bébête le fait parler. On m'avait transformé en espèce de petite bobonne bébête qui admire son mari. Et tout à fait vous. Tout à fait moi. Mais c'est pour ça qu'on doit tout jouer, la comédie française. Et à la fin, on s'aperçoit que cet homme, finalement, quand il parle de son accident et tout, c'est lui qui a agressé. Et c'est lui, il a tué, comme il dit, un bougnoul. Voilà, enfin, c'était atroce. Donc, et puis j'ai créé aussi une pièce très poétique de Chédid, vous savez, André Chédid, qui est hélas décédé. Oui, mais... oui. Donc, Dux, c'était un immense administrateur. Oui. D'ailleurs, dans ma vie, les plus grands, ça a été Maurice Escande qui m'a engagé, Pierre Dux qui m'a fait tout créer. Tout jouer. Et puis, un que j'admirais qui n'a pas fait son temps, et là, c'est Antoine Vitesse. Oui. Et dans les statuts de ma compagnie, le premier, c'est sa maxime à lui, le théâtre élitaire pour tous. Ah, c'est le sens de ma compagnie. C'est le nom donc la devise de votre compagnie. La devise de ma compagnie. Titan Bérangère d'Autun. Oui. Et alors, un spectacle de cette compagnie qui a eu beaucoup de succès, ce sont les Coquelicots des Tranchées. Oui, mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. C'était pas vraiment ma compagnie, parce que nous étions 12. Oui, oui. Mais c'est un... nous avons eu le Molière l'an dernier avec ça. Oui. Et c'est un des sommets de ma vie. Parce que là aussi, il faut tout savoir jouer. Et je suis... Bon, 14-18, les Coquelicots des Tranchées, c'est les seules fleurs qui poussaient sur ces champs de bataille dévastés. Bien sûr. Et Gertrude, qui est comme par hasard alsacienne, évidemment, ce n'est pas par hasard qu'on a choisi une Alsacienne pour être... Et qui a la haine de l'Allemand, parce qu'elle a été massacrée dans la guerre précédente de 70. Son père a été tué dans sa cour de ferme, elle a été violée sur le corps de son père, ça on ne l'apprend qu'à la fin. Mais elle a une haine de l'Allemand, et elle est propriétaire de la ferme, et elle maintient toutes les valeurs essentielles de la paysannerie, la ferme. Ça se passe dans une ferme. Et donc, on envoyait les plus solides, les paysans, qui résistaient. Et Joffre disait toujours, bah, ceux-là, hein, ils tiendront, hein, c'est les plus solides. Et on a massacré tous les paysans. Et c'est un spectacle immense. Et je suis très, très fière et heureuse de l'avoir. Il a été enregistré Non, il a été, enfin, moi j'en ai un témoin, mais il n'y a pas eu de captation parce qu'il y a eu, hélas, procès entre les deux auteurs. Enfin, Xavier Lemaire, qui avait pris un co-auteur, qui s'est avéré folle devant le succès,
et qui a commencé à faire un procès et plus rien n'a été possible. Quoi. Ah, oui. Qui voulait tout et n'était pas question que le maire... Donc voilà pourquoi il n'y a pas de captation. Et est-ce que de votre très belle trajectoire à la Comédie Française, il reste des éléments, il reste des disques? On peut vous entendre. Oui, il me reste des disques, évidemment, mais il reste des enregistrements de ce malade imaginaire. De ce malade imaginaire. Extraordinaire. Il reste une chose magnifique qui a été la plus belle, la première mise en scène et la plus belle de Jean-Luc Boutet. Oui. Ça vous dit quelque chose, bien sûr, Jean-Luc bien Boutet, sûr. Qui a commencé à faire une mise en scène par un de ses plus beaux spectacles, Les Acteurs de Bonne Foi, où tous les costumes allaient du blanc au rouge. Et moi, j'étais la femme sacrifiée à la fin, parce qu'on essaie d'arranger un mariage par intérêt, et elle y croit. Oui. Et à la fin, c'est affreux, parce qu'elle est sacrifiée, elle s'aperçoit. Et à la fin, c'est affreux, elle dit « Mais je n'ai que 49 ans, c'est horrible, à l'époque. » Et tous ces costumes allaient du blanc au rouge. Et la sacrifiée était en rouge. Magnifique. Alors, ce spectacle que vous nous offrez en ce moment au théâtre... Au studio Herberto, c'est-à-dire juste derrière le théâtre Herberto, boulevard des Batignolles. Ce spectacle, qui est très joli, s'appelle « Je l'appelais Monsieur Cocteau ». Alors, voulez-vous évoquer ce spectacle? Eh bien, on m'a demandé il y a quelques années d'en faire l'adaptation. Et bon, je me suis plongée dans ce livre. Et c'est le livre c'est Le son, livre. Ce sont les mémoires. Les mémoires authentiques de Carole Weisweiler. Évidemment, c'est un livre comme ça. Et j'en ai retiré la substantifique moelle. Alors, qui est Carole Weisweiler? Carole Weisweiler est une... c'est une malheureuse petite fille de riche. Oui. Comment vous dire? En ce sens qu'elle avait tout et n'avait rien. Oui. Parce qu'elle est née dans la fortune... Mais ses parents n'étaient jamais là. Voilà. Elle était élevée par une nounou, voilà. Et personne, son père était aux courses, il avait une petite vie ailleurs, sa mère était dans ses mondanités. Et puis, non, toi, n'approche pas, Carole, t'as des deux mains à gauche, tu vas tout faire tomber, tout, elle était un peu. Voilà. Et débarque dans cette maison. Débarque un jour, Carole Weisweiler. Dans le midi. Francine Weisweiler s'y prend amicalement. De Jean Cocteau, et le parraine, et il y a le premier contact entre Carole et Jean Cocteau, et donc il y a ce tournage dans la bibliothèque de leur hôtel particulier, et Carole est dissimulée derrière un petit paravent, et elle regarde la scène, elle a 7 ans et demi, et Cocteau vient la débusquer là derrière, il lui dit « Alors tu as aimé la scène ?» et tout. Quelqu'un la regarde. Oui, quelqu'un lui la parle. La regarde, lui parle. Oui. Et à partir de ce moment-là, elle existe grâce à Jean Cocteau, qui devient le premier œil, le premier regard. Et il se crée entre elle et lui un sentiment unique. Elle devient comme sa fille. Et cette petite fille grandit avec ce qui peut remplacer ses parents. Voilà, elle voue toute son admiration, sa tendresse à Cocteau. Et puis, un jour, en grandissant, elle l'accompagne un petit peu dans les choses. Et un jour, elle a déjà 10 ans passés, et elle le voit travailler dans la chapelle. Et tout d'un coup, elle prend conscience de son génie. Et tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle vit avec un génie. Non seulement la personne qui est son quasi-père, mais un génie. Et là, alors... ça atteint des sommets incroyables, elle l'accompagne chez Picasso, et elle peut comparer les deux génies ensemble. Enfin, elle est témoin de choses absolument extraordinaires. Et puis, elle a la douleur de ce qui arrive aux riches, qui peuvent tout. Sa mère s'éprend de quelqu'un d'autre, et Cocteau n'est pas d'accord que cette personne-là, qui est fort médiocre, qui n'était venue dans la vie de Francine que pour essayer de capter Cocteau. Et Cocteau l'a reconnu, il a dit non, non, non. Et alors, à ce moment-là, l'autre qui avait su prendre les sentiments, si vous voyez ce que je veux dire, très bien. De Francine vieillissante, qui avait peut-être d'autres choses que d'amitié à cette époque-là, et ce monsieur avait su la prendre de ce côté-là. Et donc, elle a rejeté Cocteau. Elle a rejeté Cocteau. Elle a rejeté, et il en est mort. Il en est mort. Il en est mort, comme c'était un être hyper émotif, sensible. Et elle assistait impuissante. Elle avait quand c'est arrivé la rupture, elle avait 19 ans. Elle n'a rien pu faire. Et elle n'a jamais quitté Cocteau,
le récit de sa mort, à la fin, vous voyez... Oui, très beau. Et vous, vous mettez en valeur, parce que dans votre pièce, puisque c'est vous qui l'avez rédigée, vous êtes deux sur la scène. Oui, oui. Cocteau... Elle évoque Cocteau. Et, Cocteau n'existe que dans... Cocteau, donc, passe autour de vous. Oui, c'est ça. Et vous mettez en valeur un certain nombre de phrases de Cocteau qui sont très belles. Et qu'il meurt en écrivant « Je reste avec vous ». Absolument, oui. Et alors, vous montrez cette, par des photos très bien faites, comment il s'empare d'un lieu, il doit peindre un petit coin d'une pièce, et puis tout d'un coup, il s'empare, il s'empare de la pièce tout entière. Et deux fois dans la pièce, je lui fais dire « à chaque instant, ma ligne est en danger de mort oui. ». Et on voit très bien dans le travail de la chapelle, si vous regardez bien, vous voyez que quand, et c'est ce qu'elle voit, Carole, dans la chapelle, elle le voit, je regardais sa main qui n'hésitait jamais. Et donc, quand il commençait une ligne, tout se déroulait là. Et il commençait la ligne et il allait au bout de son dessin d'un seul tenant. C'est extraordinaire. Et puis, il y a cette finesse psychologique chez lui que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il a écrit, j'aime beaucoup ces pièces. J'en ai joué. Beaucoup disent que... J'ai joué L'Aigle à deux têtes. L'Aigle à deux têtes, j'aime magnifique, beaucoup. Magnifique. Voilà. Oui. Il est très, très perspicace et il lui dit à cette petite fille... on te dit que tu as un défaut, renforce-le et suis ton chemin. Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. C'est toi, voilà. Absolument. C'est très, très joli. Nous n'en dirons pas plus parce qu'il faut que vous veniez voir cette pièce très jolie qui ressuscite Cocteau grâce à Bérengère Dautun. Merci beaucoup, madame. Et après cette pièce, vous avez encore un autre projet ? Oui, c'est un autre projet. Là aussi, comment vous dire, qui a tout ce que monte ma compagnie a un but pour aider à aller quelque part. Et là, cette pièce, je reste avec vous. À la fin, les gens vont aller dans l'au-delà, savent que de toute façon, il y a... Ça renforce ma foi dans... Dans l'au-delà. Dans l'au-delà, oui. Voilà. Dans l'âme. Bien sûr. Je reste avec vous, l'étoile, c'est... Voilà. Et là, c'est... Ma prochaine pièce s'appelle Le marronnier de la rue Caulaincourt et c'est le mystère d'une génération de femmes. Il n'y a jamais d'hommes dans cette... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et alors, la dernière, elle en peut plus de... Elle n'est plus capable de rien faire parce qu'elle n'a pas sa racine principale qui lui manque, le grand-père. Bien pourquoi sûr. Le grand-père est parti ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et le grand-père qui était américain. Et bon, et on apprend à la fin le mystère de cet homme dont on dit soi-disant qu'il était parti, et en fait c'est un grand héros qui était parti pour sauver son pays. Il était agent double. Ah, oui. Et à la fin, on apprend qu'il a été tué en service. Et la petite fille peut enfin... vivre, avoir sa racine, son héros. Ouais. Et elle existe à ce moment-là. C'est très joli, puis c'est représentatif de notre époque, parce qu'il y a les hommes tendance à disparaître. Oui, et les femmes font semblant de ne pas en avoir besoin. Et le manquement de racines, tout est là, toujours, dans les racines. Le manquement. Hein, oui. Tu dois savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Absolument. Ça, c'est les racines sont indispensables. Voilà. C'est une très belle conclusion pour TV Liberté. Merci beaucoup, Madame Bérengère Dautun. Merci beaucoup à vous. Amis de TV Liberté, allez au studio Héberto et à très vite pour une autre chronique de Perles de Culture. TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique de Perles de Culture, de défense du patrimoine, nous avons un très beau patrimoine à défendre. Il s'agit du Val-de-Grâce à Paris. Bonjour, Général. Bonjour. Merci d'être venu défendre ce très beau patrimoine qui a été vendu, nous ne savons pas à qui, des bruits courts, vous allez nous en parler. Et ce bâtiment, ce magnifique bâtiment, cette ancienne abbaye royale du 5e arrondissement, a besoin d'être défendu. Et donc, merci d'être venu nous alerter.
Alors, général Jean-Louis André, vous êtes professeur agrégé de chirurgie. Vous avez été chef de service à Bégin, chef de service viscéral et de médecine viscérale et vasculaire. Vous avez reçu tous les blessés de la guerre du Golfe, tous les blessés vasculaires de la guerre du Golfe. Mais vous avez commencé votre carrière à Madagascar. Pouvez-vous nous parler de cette expérience ? Exactement. Après la spécialité de chirurgie que j'ai eue à Lyon, puisque je suis... Les services militaires, l'université, voilà. L'école des services militaires. Je suis de l'université de Lyon, oui. Et de l'école du service de santé des armées de Lyon. Voilà. Et mon premier poste a été l'hôpital, l'ancien hôpital de la marine à Diego Suarez, qui était l'hôpital de l'armée démocratique et populaire numéro 1 à l'époque. Voilà. C'est comme cela que ma carrière a commencé. Il y avait eu une révolution. Ah ben maintenant... Ils ont été bien contents que vous restiez, j'imagine. J'ai été nommé là-bas, c'était un accord de coopération militaire. C'était un accord de coopération. Alors, vous avez... je continue dans votre biographie parce que c'est très important. Vous avez été inspecteur du service santé et vous avez monté avec les corps de pompiers une chaîne de décontamination chimique et une autre chaîne de décontamination radiologique. Tout cela à partir du Val-de-Grâce. Donc, pouvez-vous nous dire en quoi cette vente et cette déconstruction de ce fleuron hospitalier est très, très dramatique. Et pourquoi, en fait, pourquoi est-ce que cette décision a été prise ? Mais alors d'abord, ce qu'il y a d'important à dire, c'est que les bâtiments historiques ne sont pas concernés par cette fermeture. Oui. Les bâtiments historiques, c'est la chapelle, l'école d'application, le musée et la bibliothèque. Donc, que l'on voit de la rue Saint-Jacques. La fermeture ne concerne que l'hôpital, que le nouvel hôpital qui a été construit et inauguré par M. le président Valéry Giscard d'Estaing, oui. Et qui est du côté boulevard Port-Royal. Boulevard Port-Royal. Voilà. Un énorme bâtiment. Alors, que s'est-il passé ? Il est devenu obsolète, il n'y a plus d'argent dans les caisses, que s'est-il passé ? Alors, nous ne savons pas. Nous ne savons pas exactement pourquoi nous avons décidé, les autorités ont décidé de fermer le Val-de-Grâce, qui était l'hôpital militaire le plus réputé dans le monde et qui était connu dans le monde entier. Oui. Et pourquoi j'en parlerai tout à l'heure. Ce que je dois dire, c'est que le Val-de-Grâce est un couvent de bénédictines, oui. Qui a été donné aux armées par la Convention en 1793. Valmy, c'était le 20 septembre. Donné, 1700. Monsieur, je dirais. Attribué aux armées. Oui, moi j'emploierais un autre mot, volé aux bénédictines, bon, parce qu'il faut quand même employer les mots comme ils se portent. Il était donné aux armées en 1793, dans les suites de Valmy, le 20 septembre 1792, les blessés affluaient et revenaient à Paris, ouais. Et il fallait un endroit pour s'en occuper et les traiter. Ouais, ouais. Et c'est Anne d'Autriche qui en a ordonné la construction. Elle en a confié certaines parties à Mansart. Alors, Anne d'Autriche, là, le bâtiment que nous voyons derrière nous, n'est pas concerné par cette fermeture. Oui, oui. C'est la chapelle. Oui, oui. La chapelle. C'est d'accord. Été... Mais c'est pour planter le décor. Ce qu'il y a, c'est que c'est Louis XIV, enfant, oui. À 8 ans, qui a posé la première pierre de cette chapelle du Val-de-Grâce, voilà. Que nous voyons. Voilà. Alors, donc il avait 8 ans, et le premier architecte, c'est Mansart. Et Mansart a été limogé par la reine. Au premier étage, parce qu'il avait dépensé tout l'argent. Trop d'argent, oui. Il avait dépensé tout l'argent, à consolider, à faire des colonnes dans les carrières qui sont en dessous, pour que le poids du bâtiment n'enfonce pas. Bien sûr. Alors, parlons de problème d'argent. Il fallait mettre cet hôpital aux normes, dit-on. Oui, cela fait. Et vous aviez fait une étude, vous aviez des chiffres, vous avez des chiffres à nous donner. Cela fait plus de 10 ans. Qu'il est en travaux. Oui.
Donc c'est étonnant quand même. Oui. C'est étonnant. Nous avons envoyé le devis réel acquis de droit. Cela a été 232 millions d'euros, pour continuer les travaux et étaler sur une dizaine d'années. Mmh. 232 millions pour un bâtiment de cette importance, cela semble pas très important, surtout lorsque l'on sait que la couverture, la toiture du Châtelet a coûté 240 millions, que 815 millions ont été attribués au plan sécurité. Voilà. Oui, oui. Et surtout que c'est le seul. Et la canopée des Halles, parlons pas. C'est le seul hôpital. Dans le centre de Paris, qui tenait cette fonction. Ouais. D'ailleurs, il y a une pétition sur Internet qui circule, qui a été initiée par Florence Berthoux, qui est la maire du 5e arrondissement. Donc, vous pouvez aller sur Internet, taper « Ne fermez pas l'hôpital du Val-de-Grâce », et elle se plaint justement de ce que la médecine de proximité, la chirurgie de proximité, ne va plus pouvoir être exercée. Donc, signer cette pétition, ça c'est sûr. Alors, comment est-ce que vous expliquez cette histoire de mettre aux normes? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est finalement une arme de guerre contre un certain nombre d'établissements pour que les pouvoirs publics récupèrent l'argent? Est-ce que c'est pas une façon de faire de l'argent avec des bâtiments Non, je crois que les normes s'appliquent à tous les hôpitaux en France, mais que certains ont carrément refusé parce qu'on ne pouvait pas, on ne pouvait pas l'appliquer. Oui, vous me dites qu'un hôpital à Paris a refusé. Plusieurs hôpitaux ont refusé. Oui, oui. Donc c'est possible de refuser. Parce qu'il faut fermer et tout refaire. Par exemple, refaire les plafonds pour résister au feu. Mais il y a un autre scandale qui me paraissent similaires à celui-là, plus modeste, mais c'est une captation de tous les terrains et des congrégations religieuses. Alors, les services sanitaires, les services de l'État disent « Vos établissements, mes braves sœurs, ne sont plus aux normes, donc vous devez tout raser et reconstruire. » Alors, évidemment, les congrégations n'ont pas d'argent, elles n'ont pas de capitaux, donc elles s'en remettent aux gens qui les reçoivent et qui leur disent « Écoutez, c'est pas difficile, faites-nous rentrer dans votre capitale ou donnez-nous la moitié de votre terrain et l'affaire sera réglée. » Et moyennant quoi, les religieuses sont carrément spoliées d'une partie de leurs biens. Et ce qui est absolument inouï, c'est les sœurs Augustines à Rue des Plantes avaient un immense terrain. Et je rentre pour aller voir une vieille cousine atteinte d'Alzheimer et je tombe sur un bâtiment gigantesque accolé à une église. L'église datant bien sûr du 19e siècle et moment de la construction de cette abbaye, enfin de ce couvent. Et ils ont collé leur bâtiment sur l'entrée de l'église, ce qui fait qu'on ne pourra pas rentrer dans l'église par la porte habituelle, il faut rentrer par derrière. Nous en parlions tout à l'heure. C'est totalement... C'est hallucinant. Alors que devant le bâtiment, il y avait, je ne sais pas combien de mètres carrés, mais ils pouvaient se rapprocher de la rue. Ils n'étaient pas obligés de supprimer l'entrée principale. Donc il y a acte de violence, j'ai envie de dire, républicaine contre l'Église. C'est flagrant. C'est flagrant. Mais pour en revenir au Val-de-Grâce, je dois dire qu'en cas actuellement, nous allons fermer le seul hôpital militaire parisien capable de recevoir des blessés, qui a marqué l'histoire de la médecine. Hein. Et je dois par exemple, sans remonter à la guerre de 14, mais on a quand même eu une exposition sur les gueules cassées qui a montré la création la chirurgie réparatrice et reconstructrice. On a Rouvillois, c'est la chirurgie digestive. On a la création de services de spécialité, c'est quand même l'histoire de la médecine. Nous avons laboré,
plus près de nous, Labori, en 1951, expérimente pour la première fois au monde les neuroleptiques, c'est-à-dire c'est la suppression de la camisole de force. Oui. La création du cocktail lithique. Nous avons le médecin général Minet qui va expérimenter le fixateur externe du service de santé des armées. Le médecin général Minet a terminé comme directeur central. Nous avons de très grands psychiatres, par exemple, je vais citer Lafont, qui a terminé lui aussi comme directeur central et qui a créé les sections de psychiatres qui partent en mission extérieure. Donc, et cet hôpital était réputé dans le monde entier. Mmh. Et nous avions un rôle, nous avons reçu un nombre de chefs d'État amis incroyables, nous avons reçu des ministres, nous avons reçu des hauts fonctionnaires de tous les pays alliés, sans que personne ne le sache jamais, sauf certains que lorsqu'il y avait des accidents, tout le monde se rappelle de chevènements que j'avais eu dans le service, mais qui s'en est très bien sorti. Et je suis autorisé à en parler. Bien sûr. Donc, voilà. Fermer cet hôpital... Nous ne savons pas pourquoi. Et surtout, nous n'arrivons pas à savoir à quoi va être affecté ce bâtiment. Il n'est pas vendu. Apparemment, il n'est pas encore vendu. Ah, il n'est pas encore vendu. Ah, il n'est pas encore vendu. Ouais. Apparemment, et on ne sait pas ouais. à quoi... Mais on ne sait pas. C'est un secret. Madame la présidente de la commission de la défense de l'Assemblée nationale n'a pas répondu à cette question. C'est quand même assez curieux. Parce qu'il y a un autre scandale immobilier, un palais à Vienne en Autriche qui abritait l'Institut culturel français vient d'être vendu au Qatar. Je ne sais pas. Ça vient d'être sorti dans la presse. C'est M. Fabius qui est à l'origine de la vente et on est quand même tout à fait effrayé de voir tous ces biens patrimoniaux être vendus. Il y a un autre hôpital qui est menacé, c'est l'hôpital des Invalides. Aussi. Apparemment non. Non ? Apparemment non, je crois que le projet est abandonné. Le projet est abandonné. Bon, ben voilà une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Général Jean-Louis André. Je peux conclure. Oui. Au moment où les armées... Deviennent de plus en plus où on engage de très nombreux militaires. Actuellement, à la télévision, on voit 15 000 militaires en plus. Oui. Avant, il y avait eu 7 500 militaires. Oui. S'il y a un attentat majeur à Paris, je ne peux même pas dire où est passée la chaîne de décontamination radiologique et la chaîne de décontamination chimique. S'il y a une panique, par exemple, s'il y a une grande panique parce qu'il y a une cartouche de dynamite sous un kilo de césium radioactif un soir à 18h, tout va être bloqué par la panique. La panique va créer plus de morts que l'attentat et il sera impossible de rejoindre les hôpitaux, Percy par exemple, ou Percy ou Bégin. Donc fermer cet hôpital est actuellement une aberration. C'est pourquoi j'adresse au président de la République une supplique. Il faut maintenir cet hôpital ouvert, au moins... Tant qu'on a une situation critique en France. Bien sûr. Tant qu'on a une situation. Surtout qu'il suffit de remettre du personnel puisqu'il fonctionne encore. Tout fonctionne. Oui. Merci beaucoup, Général Jean-Louis André. Signez la pétition, Amis TV Liberté, ne fermez pas l'hôpital du Val-de-Grâce. Merci beaucoup d'être venu témoigner. À très vite, Amis de TV Liberté, pour une autre séquence de perles de culture.